Mesdames, messieurs, excusez-moi. Vous savez, pour moi, c'est la première fois. J'ai la voix qui tremble un peu, je sais. Et vos lumières dans les yeux. Mesdames, messieurs, écoutez-moi. J'ai pas grand-chose à part ma voix. Je rêve pas de fortune, juste de lumière qui s'allume. Mesdames, messieurs, excusez-moi. Si je suis là, c'est que j'y crois. Ils vous le diront que j'ai du talent, que ce sont mes potes ou mes parents. Messieurs, dames, croyez-moi. Vous savez, je ne sais faire que ça, moi. Je veux plus chanter dans ma chambre. Je veux qu'on m'écoute, pas qu'on m'entende. Hey. Mesdames, messieurs, emmenez-moi. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas. Y'a rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, me laissez pas. Je ne veux pas. Mesdames, messieurs, deux secondes à peine. Je peux vous faire rire ou vous faire de la peine. Mais vous savez, il en faut de l'audace. C'est tellement dur de se faire une place. Mesdames, messieurs, je sais que je suis bon. C'est ce qu'ils m'ont dit à la maison. Ils disent que je suis le plus beau, que je suis un sacré numéro. Ouais. Messieurs, dames, je suis malléable, jeune, ambitieux, capable. Je suis un espèce propre, du jazz ou du hip-hop. Hein. Je vous en supplie, j'en ai pas dormi de la nuit. Vous faites rêver, vous et vos émissions. Je pensais la connaître, moi, la chanson. Mesdames, messieurs, emmenez-moi. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas. Y'a rien à faire là-bas. Et mesdames, messieurs, me laissez pas, non. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas. J'ai rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, ne partez pas. Mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Je veux mener la vie d'artiste, moi, ne plus être seul, plus être triste. Ouais. Hey. Mesdames, messieurs, tu veux que je te dise? On se reverra sûrement pas, non? J'irai chanter devant l'église et peut-être que le bon Dieu, lui, m'écoutera. Et moi, je rêve. Approcher. Je rêve, monsieur.
Il n'y a qu'un pas à franchir du rêve à la réalité pour Mika, accompagné ce soir par l'immense artiste qu'est Christophe Maé. Yes. Quel joli duo tous les deux. Merci infiniment. Et pour faire de Mika la plus belle voix de France ce soir, envoyez le 3 par SMS au 72-500 ou par téléphone au 34-80. Avant de vous donner la parole, ma chère Amel, un mot de notre artiste invité. Comment avez-vous vécu et partagé ce duo qui est de circonstance casting? Je suis très heureux déjà d'être là, de partager cette chanson avec Mika. J'ai un souvenir bien précis de ça, lors de sa première prestation de télé pour l'audition. Et je l'avais trouvé au-delà de la voix, il y avait beaucoup d'humilité et de l'espoir dans sa prestation. Et je crois que c'est vachement important, et c'est ce qu'il est, parce que depuis hier, je passe pas mal de temps avec lui. Et il y a quelque chose de très touchant. Et je crois que finalement, de faire cette émission-là, c'est pas forcément de savoir bien chanter. Évidemment qu'il faut savoir bien chanter. Mais le plus difficile, je crois que c'est d'avoir quelque chose à raconter, sa propre histoire, être authentique, être vrai. Et toi, tu l'es. Et ça m'étonne pas que tu sois là ce soir. Magnifique, merci pour ces mots. Comme vous, authentique et généreux. Comme vous, Amel Bent. Pour en avoir là, dans le cœur et pas seulement. Je suis heureuse que... Et puis, il a 18 ans. À peine, à peine. Je suis très heureuse que mon ami Christophe ait ces mots-là pour Mika, parce que c'est exactement ce que je ressens, c'est exactement aussi ce que j'essaye de répéter à Mika à chaque fois qu'il va prendre un micro. Finalement, c'est dès qu'il oublie qu'il va vivre une prestation et qu'il se met simplement à être simplement qui il est, c'est là que la magie opère. Tu as commencé, tu réfléchissais, tu avais peur. Je sais que tu as peur pour les paroles, toi. Toi, tu vas vivre avec un prompteur portable. Mais vis la vie de Nikos Aliagas. Oui, exactement. Et puis, à un moment donné, Mika, c'est vraiment spécial. Et moi, j'ai revu toutes ses prestations depuis le départ. Et à un moment donné, il se passe un truc dans son regard. Il déconnecte complètement pour se connecter à quelque chose de beaucoup plus vrai que tout ce qu'il y a ici. Et quand c'est le cas... Eh ben, on assiste à des moments de magie. Alors merci mon Mika, merci Christophe. Merci. Je vois ta famille dans le public. Mon cher Mika, à tout à l'heure Christophe. Christophe qui reviendra tout à l'heure pour chanter L'amour avec Amadou et Mariam. Le public pourra le retrouver sur scène cet été en tournée dans les festivals et à Paris, à la Caen Arena. Notez bien la date, 15 et 16 décembre prochain. Il est incroyable sur scène, Christophe Maé. On aura le plaisir de le retrouver tout à l'heure.